On a un bon niveau, hein, non, du côté des Girondins là. Le café que je vois, il a l'air d'être très très propre et il nous proposait vraiment une technique vraiment vraiment belle. Confirme. Très très bon niveau de la Nouvelle-Zélande également sur le tatami qu'on voit actuellement. Nouvelle-Zélande, tatami 2. Le jeune qu'on voit à l'écran, je le trouve bluffant. Il est très complet, très technique. Il a une bonne posture pour son âge. Franchement, c'est presque impressionnant. Ouais, on voit, on l'a vu ce matin un petit peu, il sortait un peu du lot. Et voilà, la technique qu'il a. De faire des katas aussi longs à cet âge-là, c'est incroyable. Décision tatami 1. Deuxième médaille de bronze, tatami 1 vainqueur, Nouvelle-Zélande. Bravo à Timothée pour la Nouvelle-Calédonie. Donc nos deux Calédoniens, Timothée et Solal, finissent cinquième. Belle place aussi, il y avait quand même du challenge sur cette compétition et dans cette catégorie. Bravo à tous les deux. Tatami 3 vainqueur, Nouvelle-Zélande. Noah pour la Nouvelle-Calédonie, bravo aussi. Première place, Jen Chun Ku Zhao, New Zealand. First and gold medalist.